Aujourd'hui, je porte des lunettes, mais c'est pas parce que je vois pas bien. Non, c'est juste parce que je suis une pro du déguisement. Coucha! Bienvenue à Geeky. Aujourd'hui, on a encore une thématique festive parce que j'adore ça, vivre dans le passé. On parle des matsuri. C'est des fêtes ou des festivals de tradition japonaise et la plupart sont reliés à une célébration religieuse qui soit shintoïste ou bouddhiste. Ça ressemble un petit peu à nos carnavals. C'est le moment où on peut se regrouper avec des amis pour aller jouer à des jeux, boire, manger à différents stands qu'on appelle là-bas les yatai. Et il y a aussi des feux d'artifice qu'on peut aller regarder. La seule différence avec nous, c'est qu'il n'y a pas de petite ferme de Pâques. Tu peux pas flatter de chèvre. Tu peux pas voter pour la plus belle vache. Les célébrations se passent dans toutes les villes de l'archipel du Japon. Chaque matsuri est unique et chacune des régions peut le célébrer à sa manière. C'est aussi le meilleur moment pour porter des habits traditionnels japonais, dont le yukata. Le yukata qui est un genre de kimono très léger, qui est souvent très très coloré, et ça, j'adore ça. Évidemment, comme les Japonais sont des gens qui sont très portés sur les traditions, les matsuri sont des événements qui sont très 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 populaires et donc faut être prêt à faire face à la foule. Si vous n'avez pas envie d'aller trop loin, à chaque année, il y a le Matsuri Japon qui se passe au Centre culturel canadien-japonais de Montréal. Et là, je connais pas la date pour 2017 parce que je suis trop occupée à être une professionnelle du déguisement. Alors voilà, vive les matsuri! C'était tout pour la capsule de Geeky aujourd'hui. Je vous invite à aller liker la page Facebook Geeky, ma page personnelle, Caro Fréchette aussi. Je trouve ça tout le temps bien fun. Merci beaucoup d'être là et d'écouter les capsules. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bon, je vais aller essayer de me déguiser en Toyota Hatchback.